qui c'est qui fait ça? Ton mec il t'insulte de pute et tu dis bah oui je suis une pute. Il y a des jours où ça te plaît, il y en a d'autres où ça te plaît pas. Ce soir ça te plaît pas. Ça, je m'auto fais rire en fait. Les filles faut faire ça quand les gens vous insultent, faut leur dire oui et alors. Oula, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai jamais vu ça. Eh? Oh! Qui a déjà vu ça sur un filtre? Je crois que Snap il est en train de prendre pour un extraterrestre ou je sais pas. En tout cas, je voulais remercier mon David qui m'a défendu face à la bête Quentin qui m'insultait. Donc merci David. Donc ben voilà, comme je vous avais dit, j'ai commencé à recevoir les colis. Je les ai ouverts bon, la dernière fois. Je vais essayer de faire le concours dans la semaine prochaine parce que du coup, je pars en voyage, donc je vais essayer de m'organiser. Mais je vous fais voir les 5 premiers produits. Alors, premièrement, bougies. Et à mon avis, il y aura plein de bougies parce que c'est juste ma vie. C'est une dernière chance pour vous tous. Suspense. Ouah. 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 Bon, on a passé 2 mois ensemble. C'était énorme cette aventure de les messages, faire des insta avec vous, communiquer avec vous au maximum que j'ai pu. Surtout les rencontres dans la rue, les photos, c'était énorme, je vous remercie. Maintenant je pense que, voilà, d'après le post que j'ai fait sur Instagram, vous avez compris que moi et Quentin, nous n'étions malheureusement plus ensemble. C'était compliqué donc ça serait trop long d'expliquer ça ici. Mais je vais faire une interview d'ici peu, que vous verrez. Pour expliquer un peu plus, sans rentrer dans forcément tous les détails, mais en gros le pourquoi du comment. Vous pouvez aussi comprendre pourquoi du coup c'était très dur pour moi. À chaque fois vous me demandiez, t'es toujours avec Quentin, alors que moi j'avais pas le droit de le dire par rapport à l'émission. Et vous faisiez que me poser cette question et j'en avais marre en fait, parce que voir son ex comme ça et comment tu l'as kiffé, comment vous étiez amoureux et que ça a pu marcher et qu'on te le rabâche tous les jours. Enfin, j'espère que vous comprenez quoi. Une super belle aventure et ça s'arrête pas là pour moi. Je vais continuer avec vous les concours, les petites vidéos sur YouTube et puis qui sait notre aventure, on sait pas ce que la vie nous réserve. En tout cas, moi j'ai kiffé et je vous ai kiffé.